Mesdames et messieurs, ça qui passé là, Antoine Mangon, mais pas Connell. Et bien, ça qui est là, nous connaissons la guerre. Non, même cette tête, ça, il y a un monde qui est placé comme président pays d'Haïti provisoire. Ou quand ça qui est triste, moi, je chale tes couilles qui t'a dit Philippe, et bien, ça qui est. Et bien, qui monde là, il a choisi pour ta vie premier ministre, sous moi, je chale, nous prenons de toutes causes dans une seule émission. Restez là. Et bien, barbecue, t'as fait qu'on est que. Ça qui a passé la réunion n'est pas fait, quel que soit président à faire, ça c'est président tête par eux, il n'y a pas président pays d'Haïti. Et bien, il y a dit là, pas de rien qui a fait, quel que soit Jean Sataye, pas de rien qui a fait même dans le pays d'Haïti, il n'y a pas de cap. Parce qu'il n'y a pas de cap fait. Et ceci, n'après les amoureux, pour qu'il y ait dans le pays d'Haïti, regardez. Gardez ce qui a passé au Kenya, dans le moment où on a parlé là. Gardez ce qui a passé au Kenya. Kenya n'a pas même qu'à supporter tête et puis c'est Haïti. Gros cause, oui. Et bien, mesdames et messieurs, sans prendre temps, nous ne pouvons pas faire un pile parler en pile. Nous pouvons attendre exactement comment ça a déroulé jeudi. Jeudi, mardi 30 avril, ça, mesdames et messieurs. Nous pouvons attendre dans le petit mamite comment. Installation ça a été faite et comment pour ça que vous êtes là, trois votes seulement, moi je charge jouer. Mais c'est pour elle, elle aime le pouvoir, c'est ça qui fait blanc pour nous là, manipuler nous. Nous aimons le pouvoir, toi, moi je charge pas comme côté le campé. Et bien, mesdames et messieurs, sans prétendre à l'alterner exactement qui ça a fait dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, qui ça nous fait là hier, comme nous connaissons aujourd'hui, il y a une élection au sein du conseil présidentiel. Et CARICOM, non, conseil les 9 têtes là, pour les 9 têtes là, et bien, il y a Edgar Leblanc fils qui remporte la maître là comme nèg qui est pour lui capable de diriger le conseil là, et bien, ancien sénateur, ancien président sénat, Edgar Leblanc fils, élu président conseil présidentiel, après, il y a un accord entre majorité conseiller présidentiel, yo. Même majorité ça choisi Fritz Belize, même petite Dessalines comme premier ministre. Bien même conseil là, yo si gagne un accord pour gagner yon présidence tournante, ça veut dire et chaque yon période temps yon nan moun yo a fait yon petit coup de président jusqu'à ce que 2 ans ça fini et février 2026. Et bien mesdames et messieurs, j'aime dire nous messieurs vivant sans mieux qui pas d'accord avec discours Edgar Leblanc fils by Jodia, nous parlons dans des discours et bien n'est pas la rue après que messieurs a sorti dans le village d'accueil bagaille la pas petit même donc on va inviter nous dans des discours et la va comprendre que est-ce que pays d'Haïti gagnent pas la fête. En tout cas bamba inviter nous dans des discours ça n'a pas donné. Edgar Leblanc fils est le président du conseil président de transition à la suite d'une entente entre la majorité des conseillers présidentiels. Cette même majorité a fait choix de Fritz Belizère comme premier ministre. Fritz Belizère, c'est proche de Moïse Jean-Charles. Alors, faut me dire que c'est justement c'est un deal qui s'est passé, madame. Monsieur. Oh! Et le sénateur Moïse Jean-Charles, en fait, l'équipe. Hey! Je vais te gagner 3 votes garantis. Aïe aïe aïe. Ok. Et tu vas faire ça, politique. Edgar Leblanc te gagne 3 votes garantis. Garanti. Ok. Ils font deal. Et puis, qu'on y a, pas oublier que sénateur Maurice Jean-Charles lui-même, il t'est proposé Louis Giraldil comme président du conseil. Correct. Et son tête que le déjeune avec Claude Joseph sous base. Correct. Donc, jusqu'à hier, Louis Giraldil t'est président. Donc, conseil et présidentiel là. Maintenant, sénateur Maurice Jean-Charles, tu as gagné tout, ingénieur fils Belizère, comme premier ministre. Dans la poche lui. Dans la poche lui. Ok? Et avec Claude Joseph, il était très difficile pour ingénieur fils Belizère, pas une premier ministre. Il était très difficile. Eh bien, qui s'est passé, madame, monsieur? Sénateur Maurice Jean-Charles, tu as fait 2 coups. Son coup, il a passé là. Écoutez, il a fait 2 coups. Et. C'est parce que nous comprenons que le sénateur Moïse Jean-Charles fait que
Yo manqué pendant deux coups. Yo manqué pendant deux coups. Parce que sénateur Moïse Jean-Charles Dabguin est président. Donc ça veut dire que conseil là et premier ministre. OK. Qu'on a monsieur vient découvrir ça. OK. Et puis yo centré yo obligé donc mais est-ce que c'est confirmé que ce Fritz Belize là? Non, c'est confirmé, c'est tout... le deal. Donc ça c'est le deal. Mais là, dire, avec les pas même déposer dessus encore. C'est pas blé. Problème là c'était Louis Agile. OK. Mais qu'on y a sénateur Moïse Jean-Charles vient pas qu'à jouer une quatrième vote là. OK. Donc il est obligé de faire un deal. Il perd du président pour le capable de primature. Parce que il y a une condition pour Louis Gérald Giltal rejoindre donc Camille et Edgar Leblanc. Condition, c'est que il faut que le premier ministre sorti la Cali. Correct. Et majorité conseillers, ok, ils sont d'accord sur le principe là. Donc, ingénieur Fils Belize vient automatiquement premier ministre. Donc, question processus pour aller déposer pièce ça. Non, bah, ça tombe, monsieur. Il va pas encore. Même pas, c'est la plus bonne pays à tout. Oui, nous va vite. Bye, cloche, moi. Si c'est pas ça, vrai. Non, mais c'est ça lié. Parce que le pays a besoin. Ah oui. C'est une souffrance. Oui, c'est ça lié. On a souffert là. Nous avons un gouvernement rapide. Ouais. Il y a un monde qui t'a minimisé, sénateur Moïse Jean-Charles. Non, l'autre niveau. Parce que c'est plus gros erreur. On a fait dans la voie. L'autre niveau. N'est qu'à faire politique, femme qui a fait politique parce qu'on a pays. Minimiser sénateur Moïse Jean-Charles, c'est un pigot et ouais que n'a fait. C'est un en fait c'est quelqu'un qui est donc très intelligent. Ah oui, le sénateur Moïse Jean-Charles est très intelligent. Il manque par monsieur Koua. Il manque gain et président stand et puis Mathieu. Qu'on a lui venir venir nous faire connaître et toi monsieur Wessel donc et ce sénateur Moïse Jean-Charles, il vient obligé qu'on y a mandé Louis Agile pour le désister pour le voter pour Edgar Leblanc fils. Okay? Avec condition que majorité conseillers, condition c'est que faut ingénieur Fils Belize et faut qu'ingénieur Fils Belize vienne premier ministre. Son gros exercice là qu'a fait pratiquement dans le pays, madame, monsieur. C'est là pour que politique a son belle science. Ok, mais il faut que me dise que bataille pour nous arriver là. Son bataille qui gagne en pile main d'elle. Wow, et maître Béguy Jean, comment nous y est? Eh bien, je salue toute l'équipe Matin Débat. Je salue Loco, je salue Pierre Martin Tatout, je salue Esaïe César, toute l'équipe là. Donc c'est ça, la nouvelle est confirmée. Edgar Leblanc fils devient le nouveau président du Conseil présidentiel de transition. Eh bien, maintenant, alors qui sont comprennent là, maître Béguy Jean? Ok, justement. Il y a eu quand même un désistement du côté. Allez-y. Oui, je t'ai dit que dans un premier temps, tu as gagné Louis Gérald Gilles qui était candidat et qui t'a bénéficié dans l'alliance avec représentant Petit Dessalines et représentant Aidé. Ok. Et ça qui t'a pris le bal trois voix. Voix par là, plus voix représentant Petit Dessalines, plus voix représentant Aidé. Bien, bien. Naturellement, à un certain moment, il y a un débat qui a fait, comme quoi, en un certain sens, Gérald Gilles représentait la continuité, puisque issu du 21 décembre, ce qui n'est pas nécessairement vrai, mais ça t'est parlé comme débat. Sur ce, tu as commencé un débat, l'autre débat qui fait. C'est ainsi que sénateur Leblanc, que tout le monde connaît comme ancien sénateur de la République, coordonnateur national de l'OPL, ancien président de l'Assemblée nationale, au final, un consensus qui joigne autour de lui et il devient le nouveau président du Conseil présidentiel. Consensus là, c'est pas tout membre, mais c'est la majorité des membres. Mais il devient tout de suite le nouveau président du CP et il vient de s'adresser à la nation à travers une courte intervention de quelques minutes. Très bien. Mais il y a quand même eu une proposition et faite par la majorité des membres également pour que l'ingénieur Fritz Belize soit capable de premier ministre. Absolument, c'est ça qui est annoncé, c'est ça qui est officiellement annoncé. Okay. Donc, pas de question, vient de déposer dossier, on peut le candidat, nous te connaissons des personnalités, tant que Smith Mani, nous te citons Gary Conny et tant d'autres. Eh bien, toute procédure, ça a tout campé là, par la voix du conseiller qui n'a pas le droit de vote, nous parlons de pasteur Frinel Joseph, on a deux conseillers qui n'ont pas le droit de vote, c'est lui-même avec Régine Abraham, mais il a annoncé officiellement qu'il y a un consensus
autour de M. Fritz Belizer, qui deviendra le nouveau chef du gouvernement de transition. Donc, pas de élection là tout. Pas de élection là tout. Non. Pas de élection. Pas de élection. Très bien. Pas de question élection. Donc, c'est fini. Très bien. Merci beaucoup, Maître Péguy. Avant Maître Péguy, avant aller. Maître Péguy. Oui, mais Péguy Jean, l'Italie, voilà, pas de problème. Entendez discours, président conseil présidentiel CARICOM, Edgar Leblanc-Fils, ancien président Sénat. Conseiller Finel Joseph, président du conseil électoral qui devait organiser les élections pour la présidence du conseil de ce matin. Madame Régine Abraham, assistant du président du conseil. Messieurs les membres du conseil présidentiel de transition. Messieurs, mesdames, distingués invités à cette cérémonie de ce matin, la presse en général. Depuis 11 mars, avec médiation de la CARICOM et avec la CARICOM, la communauté internationale, OK, accompagne les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé des affaires, des personnalités pour qu'on arrive à un consensus permettant de sortir de crise profonde qu'a marqué payant depuis particulièrement l'assassinat du président de la République. Nous sommes en situation totale d'exception. Et depuis ce 11 mars, des discussions, des négociations, des concessions entre divers acteurs conduit à mettre en place ce conseil de transition et jeudi dernier, le conseil a prêté serment. À partir de cette prestation de serment, il était gagné d'abord pour choisir un président du conseil, ensuite pour lui lancer tout le processus passant par invitation aux différents secteurs pour proposer et faire choix de Premier ministre, mettre en place un gouvernement et engager les différentes décisions importantes qu'il doit prendre pour que nous arrivions à des élections transparentes, crédibles, non contestées et qui permettent que le 7 février 2000, et qui permettent à partir de réformes constitutionnelles et autres à entreprendre, le 7 février 2026, conseil a fini mandat et fait une passation de manière à ce que nous engagions définitivement dans une période de stabilité pour payant et puis de relance de l'économie, de relance des activités totales à partir d'institutions de l'État et d'institutions de la société qui chita sur de nouvelles bases. Nous croyons le conseil là. Premier bagage qui est important pour nous, c'est cohésion entre nous. Pour les bagailles qui est important pour nous, c'est cette volonté, cette détermination à dépasser les chapelles, dépasser les conflits et arriver par consensus et des fois, à partir de discussions, de négociations et de choix faits pour de grandes décisions importantes qui viennent pour prendre d'abord en matière de sécurité. Libérer le pays de l'action de gens qui font souffrir tellement de gens, qui fait tellement de victimes. Et ce matin, c'est publiquement que nous reconnaissons souffrance toute victime, tout sac déplacé, toute jeune fille, femme qui subit acte de cadéjac, tout le monde qui est caillou boulé, tout entrepreneur qui perdu entreprise. C'est responsabilité grande que le conseil a gagné pour le mener dans tête frette en cherchant le consensus maximum à chaque fois, mais en étant déterminé pour nous arriver en 21 mois respecter mandat ça. Matin, nous prenons 2 heures de temps de retard avant que nous venions devant le public là pour faire cet exercice de discussion, de négociation, de concession qui a amené à, au lieu de un vote de choix par ou majorité, en d'un conseil là de ça. L'acceptation de cet exercice prouvé que nous capables de discuter, négocier, faire concession et puis arriver à des résultats.
C'est sous base ça seulement que nous, dans le conseil, là, nous croyons que nous sommes capables de porter des résultats et remplir à plein notre mission. Je remercie tous les membres du conseil, je remercie les organisations politiques, les organisations de la société civile, parties prenantes de la crise et des négociations qui ont amené à la formation de ce conseil. Et leur présence ici encourage nous. Et par-delà, à travers la presse, remercier tout peuple haïtien qui a les yeux braqués sur nous, qui attendent depuis longtemps et qui t'a même trouvé que nous t'es en retard, nous devons aller plus vite. C'est normal que vous pressez parce que vous avez souffert. Nous pas aller si vite parce que nous voulons chaque pas de fait nous consolider et nous assurer que l'autre pas c'est pour un bon pas. Et c'est peut-être ça nous faisons dans le cadre de discussion, de négociation, de concession et de consensus. Mesdames, Messieurs, matin, c'est un pas définitif qui met entre nous dans le processus pour arriver à sortir de la crise. Nous gagnons rapidement au conseil pour nous prendre des dispositions, pour que nous gagnions un gouvernement qui mette en place. Ensuite, nous gagnons des décisions importantes en matière de sécurité qui pour prendre. Est-ce pourquoi? Hier, pendant toute la journée, nous rencontrons le haut commandement de l'armée. Nous rencontrons le commandement élargi de la police. Nous rencontrons avec les unités particulières chargées de la sécurité du palais national et des conseillers, de manière à regarder qui est en situation aujourd'hui, qui ça qui manquait, qui ça y a besoin pour que même gens nous déterminent et nous connaissons que nous déterminés et que le support venu, nous est capable d'approcher la question de l'insécurité et bien les résultats. Selon la discussion que nous faisons, entente que nous faisons pour que nous portions besoin en matériel, besoin en équipement que nous besoin et surtout besoin en renforcement moral des troupes qui sont terrains, ok, nous croyons que je vous promets tout ça, que dans les prochains jours, prochaines semaines, et que nous avons déjà des signes qui baillent en matière de sécurité dans le pays. Nous sommes très contents aujourd'hui pour nous commencer sous la base de discussion, sous la base de concession et de consensus à cette cérémonie de désignation du président du conseil qui gagne particulièrement pour rôle de coordonner l'activité. Il est un coordonnateur et ça fait que tout conseiller, partie prenante de toute décision et toute décision doit faire de la transparence. Et c'est ça qui a fait la crédibilité du conseil. Mesdames, Messieurs, merci. C'est une prise de parole dit, sur le tas. OK. Alors, on ne va pas prêter davantage. Merci en pile. Merci beaucoup. Profitons donc d'annoncer à tous qu'une réunion va se tenir tout à l'heure entre les différents membres votants du Conseil et aussi avec la facilitation des membres non votants pour être certain que l'accord trouvé par la majorité et respecte en tout point et ne diverge pas avec l'accord maire du 3 avril. Merci beaucoup tout le monde, merci d'avoir été présent et merci encore pour d'avoir patienté. Merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Haïti. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti. Nous sommes en direct dans la villa d'accueil, là, dans la salle qui était justement disposée pour l'organisation processus électoral qui pour aboutir à élection en président en dans tête conseil présidentiel transition et j'en saute suivi ensemble avec nos amis téléspectateurs téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti et ben gagné en majorité qui est même dégagé d'ailleurs Jean conseiller Frinel Joseph lui-même saute annoncé lui dans prise de parole lui et ben il saute annoncé que gagné en majorité qui dégageait Rodney d'Orléans et majorité ça, l'y dégageait autour de la candidature, initialement c'était ça,
de Edgar Leblanc fils, mais comme majorité a déjà gagné 4 mounes et nous connaît déjà, c'est la majorité absolue qui a déterminé qui est-ce qui a présidé le conseil présidentiel transition. 4 mounes sous 7 membres votants, donc Edgar Leblanc fils proclamé président conseil présidentiel transition. Edgar Leblanc fils, nous connaît déjà, c'est ancien sénateur de la Grandance et c'est lui-même qui représentait dans le conseil présidentiel transition le collectif des partis politiques du 30 janvier. Donc voilà. L'information, c'est ça. Edgar Leblanc, fils, proclamé président par ses pairs, président du conseil présidentiel de transition au Nélolé. Tout à fait, Ken Livilsin. Donc, surprise, contrairement avec Salon Tapton, et nous, pral gagner élection, pral gagner vote, tout ça. Donc, Jean Sodilan, donc, une majorité qui dégageait et autour de Edgar Leblanc, fils, et même majorité, ça, lui-même tout, proposé. Et tout un premier ministre qui c'est Fritz Belizer. Donc il a bien dit bien proposé un premier ministre et Edgar Leblanc fils pendant que il a prend la parole ou bien un discours sous d'accord avec moi bien que grand chantier conseil là il gagne ouais avec question référendum élection tout ça pour sécurité mais par contre Edgar Leblanc fils dans discours il mettait accent sur question sécurité et dans l'idée pour permettre à ce que population qui a souffri longtemps yo river libérer population permettre population li évacuer sans problème dans série activité li. En gros téléspectateurs et téléspectatrices donc c'était ça nous sommes contents ensemble avec vous et c'est toujours un plaisir pour nous faire exercice ça ensemble avec vous et Ken Livilsin. Qui te rappeler pour mon exemple qui bay matin li fondamental pour conseil présidentiel transition en pile monde t'a pas attendu pour gagner un vote pour gagner élection. Et nous rendons compte que au-delà de peut-être toute animosité, toute tractation que tu as faite pour déterminer qui est-ce qui a présidé le conseil présidentiel de transition, eh bien, 7 membres votants plus 2 observateurs, Rive Antonio et une majorité qui dégageait Jean Soudil qui élu Edgar Leblanc fils comme président conseil présidentiel de transition. Qui donne la majorité à bon préciser pour majorité. La majorité qui dégageait gain la donne Edgar Leblanc fils qui c'est président conseil présidentiel de transition mais autour de lui nous joignent Louis Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean entre autres comme personnalités qui ont même supporté et qui fait que jeudi à c'est Edgar Leblanc fils qui va le présider conseil présidentiel de transition. Jean dit là c'est un bon signal qui voyait. Son beau signal parce que je dis à la moun yo t'attendre que et pral gon difficulté vraiment pour joindre un monde pour présider conseil là. Donc t'as pral gen pile difficulté parce que fort souvent toujours dit donc et moun pa bo ici donc gen difficulté pour yo entendre yo tout ça. Donc c'est un bon exemple et c'est un exemple tout qui montrait que gen volonté réellement pour sortir pays d'Haïti dans un passe difficile. Le président conseil a précisé il était important pour yo pour joindre cohésion. Parce que yo pa ka bay résultat si pa gon cohésion en mitan yo comme conseiller que ce soit conseiller qui gen droit de vote et conseiller qui pa gen droit de vote les deux observateurs ou te dit l'autre nouvelle important que conseiller non votant qui c'était d'ailleurs membre bureau électoral qui d'abord qui te gagné pour organiser l'élection ça conseiller Frinel Joseph qui représente la communauté interfroide dans le conseil présidentiel là et ben gagné l'autre nouvelle important que l'annoncer c'est la désignation ou bien la proposition de Fritz Belizer comme premier ministre par le groupe majoritaire, le groupe qui supportait Edgar Leblanc. Évidemment, son proposition, il était à discuter au niveau de conseil là, discuter au niveau de secteur qui voyait Mounio représenter dans le conseil là, avant pour que joigne un compromis global qui pour faire que M. Fritz Belizer, ancien ministre des Sports et de l'Action Civique sous administration René Garcia Préval et Jacques-Édouard Alexis, nous songeons période 2008. Donc c'est lui-même qui t'a cabine premier ministre pour amener gouvernement qui pourra le constituer de tout l'autre monde parce que gagner en pile plaidoyer qui fait pour que conseil présidentiel transition et gouvernement qui pourra le former avec des personnalités de la vie politique dans le pays li représentatif de chaque grain de monde et li capable de permettre que chaque grain de monde ouais tête yo en dans gouvernement ouais tête yo Jean Ouel déjà penser dans conseil présidentiel transition. Alors faut que nous disons qu'il tout de suite après discours président conseil là Edgar Leblanc fils tout de suite après discours là donc conseil là Fonzi observateur pour faciliter une réunion qui fait entre conseillers bon pour continuer à discuter sur question sécurité. En parlant de sécurité, il faut que nous disions Edgar Leblanc fils le souligne. Donc il a déjà rencontré avec le responsable principal, ou état major de la police, l'armée. Donc pour regarder la nécessité qui gagne pour renforcer
vraiment renforcer les capacités force l'ordre pour faire face avec phénomène insécurité à Jean-Edgar Leblanc-Fils lui-même. Nous allons finir Rodney d'Orléans, mais on va aller quitter de rappeler pour les amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, télévision nationale, que le conseil présidentiel transition a 9 moun la donne. 9 moun yo, gen 7 qui gen droit de vote, gen 2 qui pas gen droit de vote. N'a pas rappelé non moun yo, c'est architecte Leslie Voltaire, représentant parti politique Famille Lavalas, dans le conseil présidentiel transition. Gen économiste Fritz Alphonse Jean, représentant Accord Montana, dans le conseil présidentiel transition. Gen sénateur, ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils, qui représentait collectif des partis du 30 janvier dans le conseil présidentiel transition. Gen Gérald Gilles, ancien sénateur Grandens, qui représentait Accord du 21 décembre dans le conseil présidentiel transition. Ou gagner dans le conseil là, nous citer Leslie Voltaire, nous pape Smith, Smith Augustin d'abord, qui représentait coalition et des raids compromis historique. Gagner Emmanuel Vertilaire qui représentait structure politique Famille Lavalas, Petite Dessalines, pardon, en tant que conseil présidentiel transition, et deux membres non votants qui sont des observateurs, n'a parlé de conseiller Frinel Joseph et conseillère Régine Abraham, qui c'est une après l'autre, représentant communauté interfoi, représentant société civile. Et nous sommes dit, n'a pas rappelé, dans le moment où nous parlé là, c'est ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils qui a présidé le conseil présidentiel de transition, son majorité qui dégageait autour de lui, qui mettait en position ça, et déjà, même majorité ça a fait proposition pour que Fritz Belizère vienne Premier ministre, proposition qui sous table là, discussion a mené, conseiller Frinel Joseph te rappelé, majorité a pas gagné quatre blanches dans la minorité a toujours gagné discussion politique, mais il y a toujours joué une cohésion, compromis qui est nécessaire pour mener le pays pendant 21 mois qui est venu là. Jean Décret qui crée le conseil présidentiel là prévoit ça. Un mandat qui a fini le 7 février 2026, Rodney d'Orléans. Oui, tout à fait, Ken Levilsen. Donc, c'est un plaisir pour nous de faire exercice ensemble avec vous maintenant. Téléspectateurs, téléspectatrices à Internet Télévision Nationale d'Haïti, merci parce que vous êtes ensemble avec vous. Donc, nous-mêmes, nous avons échappé pour nous. Donc, restez sur la télévision pour rester programmation.